Bonjour à toutes et à tous, ici Devel. Aujourd'hui, je vous fais cette première vidéo commentée pour vous expliquer comment faire un fondu et un dégradé. Donc, vous allez créer une composition. Soit ici, créer une composition. Clic droit, une composition. Ou composition, nouvelle composition, CTRL N. Nous allons la renommer tuto paramètres prédéfinis. Moi je le mets en 25 images par seconde et la durée 10 secondes en fond blanc. Tout va bien, c'est bon. Nous allons créer un solide. Clic droit dans la timeline tuto, solide, on va mettre fond 1180 par 720. Créer la composition au cas où, mais vu qu'on la connaît, c'est bon. Et en fond noir, ok. Nous allons faire un dégradé. On clique sur fond, effet, génération, dégradé. Nous avons un dégradé. Et vous voyez que les couleurs sont inversées. On va mettre du blanc sur du noir en bas. Nous voyons que c'est un type linéaire. Nous voulons que ce soit en rond. On clique radial. Voici avec un dégradé. Après, nous pouvons jouer sur cela. Comme ça. Comme ça, comme vous voulez, peu importe, c'est selon vous. Nous avons notre dégradé. Maintenant, nous voulons voir un fondu. Nous voulons faire un fondu, nous voulons que notre vidéo apparaisse lentement et finisse lentement. Alors, il y a deux manières pour faire un fondu. Soit avec le raccourci T, nous avons l'opacité, ou en cliquant sur la flèche à gauche, c'est comme ça, transformer, opacité. Alors, on va mettre à 0. Nous voyons bien que c'est la couleur de notre composition au début blanc. Cliquez sur le chronomètre. Nous avons une image clé qui s'affiche là. Nous voulons que notre dégradé apparaissent au bout d'une seconde. On met une seconde, on met à 100%. Notre dégradé est là. Nous voulons. Bon, la vidéo est un peu trop grande, mais bon, c'est pas grave. Qu'à 4 secondes, notre vidéo soit blanche et revienne à notre fond dans la composition du début. On reclique sur l'image clé à gauche, on en ajoute une à 100%. On va à 4 secondes, on revient sur 100%, mais on met 0. Nous avons notre fond qui est revenu. Nous allons faire une prévisualisation RAM pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça repart en blanc. C'est ce qu'on voulait. Nous avons notre dégradé qui apparaît lentement et qui s'en va. Nous avons fait un dégradé plus un fondu. Voilà. Donc la vidéo se termine. N'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire, à me demander des tutos si vous voulez, si vous avez des idées. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.